Cinq professeurs ont donc été placés sous protection fonctionnelle. L'affaire fait grand bruit. Ils ont été suivis et insultés par des élèves à la sortie du collège Paul-Éluard de Vénissieux. Les faits se sont déroulés la semaine dernière. Le rectorat a été immédiatement prévenu. Écoutez l'inspecteur académique de Lyon à ce sujet. Il est au micro de Jérémy Pain. Je dénonce ces agressions. C'est une action inacceptable contre un personnel de l'éducation nationale, puisque je rappelle que c'est une mission de service public, et c'est atteindre les valeurs de la République. La sanction est une mission éducatrice, hein, ça fait partie de ces missions. Le point qui est important, c'est qu'il faut qu'on fasse comprendre à nos jeunes qu'à un moment donné, ils ont dépassé des limites, et qu'à un moment donné, ils ont dépassé des limites inacceptables. Donc c'est pour ça qu'on travaille à la fois sur les sanctions, et donc il y a des conseils de discipline, mais nous travaillons bien sûr avec les communes pour aussi, à un moment donné, que des rappels à la loi puissent être faits, et qu'on soutienne les parents dans leur rôle de premier éducateur.